Entendu parler des cagnottes en ligne. Elles permettent à de jeunes entrepreneurs de financer leurs projets. On appelle ça le financement participatif. En 10 ans, 400 millions d'euros ont ainsi été collectés. Vous allez voir comment cela fonctionne précisément grâce à Vincent Plévin, Nadège Justiniani et Pascal Marcelin. En 10 ans, le financement participatif a aussi séduit des entrepreneurs plus traditionnels, comme ce propriétaire d'un vignoble dans le Var. Il y a 2 ans, il a doublé sa surface et investi 350 000 euros, sans compter les imprévus. Pour les financer sans solliciter sa banque, il a trouvé une solution très originale. Ici, c'est un contributeur qui a choisi de prêter de l'argent. Donc on va lui rendre au centime près la somme qui a été prêtée. Et les intérêts de cette somme sont payés en vin. Le vigneron a pu toucher de nouveaux clients, sensibles à sa démarche et son vin bio. Une autre manière de récolter les fruits de son travail et de les bonifier.